Bon, vous en avez marre de mourir presque instant face à des petits mobs? Vous voulez apprendre à fracasser tout ce petit monde? Ça tombe bien, car dans ce petit tutoriel, on va apprendre à utiliser le mode Game Master. Déjà, on aura besoin d'un logiciel gratuit appelé Thunderstore Mode Manager. Vous trouverez le lien dans la description. Une fois installé, recherchez Lethal Company. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, créez un nouveau profil. Ensuite, rendez-vous dans Get Mode et téléchargez tout ce que vous voyez. Donc déjà, Bipin X-Pack, donc indispensable pour utiliser tous les modes. Game Master, ça va vous permettre d'utiliser des commandes administrateurs. On va voir ça en détail. Health Medic, plutôt utile, ça permet de voir précisément vos HP. Ça m'a notamment permis de savoir qu'une araignée tape du 90, qu'un Thumper tape du 40, qu'un Hornimbug tape du 30, etc. Faster Item Dropship, juste pour avoir les objets commandés beaucoup plus rapidement. Et enfin, More Money Start, pour avoir 1000 crédits dès le début. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on clique sur Modé et c'est parti. Online, Host, Choose Fill, Confirm. Voilà, maintenant vous allez retrouver en description toutes les commandes qui me semblent utile pour vous entraîner. Slash Night Vision remplacera votre flash, du coup vous verrez bien tout le temps. Slash God permet d'être invincible, mais attention, si le Bracken vous tord le cou, vous serez buggé et ne pourrez plus rien faire. Il faudra quitter et revenir dans la partie. Ensuite, tous les spawns de monstres commencent par slash spawn, le nom du monstre et la quantité que vous voulez. Écrivez bien le code associé car certains noms d'entités qu'on connaît ne fonctionnent pas. Par exemple, le Thumper. Ensuite, particularité pour certains monstres, notamment le masqué, le jester et le colled, vous ne pourrez pas les faire apparaître sur toutes les lunes. J'ai découvert ça grâce à ce site qui référence les pourcentages de chances de croiser telle ou telle entité. Je vous mets le lien dans la description. C'est pour ça que je vous ai fait installer Start avec 1000 crédits pour pouvoir vous rendre sur Rend, Dine ou Titan dès le jour 1. Enfin, l'achat d'objets, rien de plus simple. Vous pouvez écrire slash buy suivi du numéro correspondant pour être sûr que ça fonctionne. L'ensemble de ces commandes, vous les retrouverez sur le site du mode que vous pouvez consulter ici directement. Toujours pareil, le lien sera dans la description. Avant de finir la vidéo, un dernier conseil. Mon frère m'a fait télécharger ce mode exceptionnel qui regroupe énormément de danses connues. C'est quoi cette danse ? Et au-delà du côté fun du truc, ça vous permet d'être en troisième personne. Pour ce faire, échappe. Setting, Change Cabins, Custom Emote API. Configurez la première touche. Celle-là permettra de lancer une danse au hasard dans la bibliothèque. Celle-ci permettra d'imiter la danse d'un mate. Donc ensuite, on reste appuyé sur la première touche configurée et on sélectionne Customize. Vous pouvez faire glisser vos danses. Et pour mettre à la troisième personne, Third Person Mode et on sélectionne All. Je sélectionne une danse qui ne fait pas de bruit, par exemple DDD, et ça donne ça. Et je vous laisse constater la différence. Vous voyez que vous gagnez énormément en visibilité. Après voilà, est-ce que vous estimez que c'est de la triche ou non? Libre à vous. C'est tout pour ce petit tuto. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer si ça vous a aidé. A plus.